Bonjour à tous et surtout merveilleuse année 2022. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année qui s'annonce pleine de belles choses. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. On a tous fait cette fameuse liste, manger plus sainement, faire plus de sport, lire un peu plus, être moins sur les réseaux et j'en passe. Mais qu'en est-il de nos loulous? Et si nous faisions notre propre liste à nous? Selon un sondage que nous avons fait, vous voudriez 1. Que votre chien arrête de mendier. 2. Qu'il ne monte pas ou plus sur le canapé ou sur le lit. 3. Qu'il apprenne à vous donner son jouet sans grogner. Et 4. Qu'il arrête d'aboyer à tout bout de champ. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, peu importe la bonne résolution que vous avez décidé d'adopter, les clés sont la rigueur, la cohérence et la patience. Si vous décidez de modifier un comportement chez votre loulou, il faut vous y tenir coûte que coûte. Il faut donc que vous en soyez réellement convaincu. Conviction et motivation. Se débarrasser d'une mauvaise habitude persistante n'est pas toujours facile puisqu'elle est souvent bien ancrée. C'est donc primordial que d'une part, toute la famille soit sur la même longueur d'onde et agisse exactement de la même manière. Et d'autre part, qu'on ne déroge pas aux nouvelles règles fixées. Notre chien ne peut pas comprendre qu'on l'autorise à faire une chose un jour pour se faire gronder pour cette même action le lendemain. Point 1 de notre petite liste de bonnes résolutions, nous voudrions que notre chien arrête de mendier. Pour ce faire, rien de plus facile. Deux choses. La première, plus personne ne donne quoi que ce soit à table, ni même ne répond à ses demandes d'attention. La seconde, lui apprendre à aller et rester dans son panier. Si besoin, dans un premier temps, accompagnez-le et donnez-lui un jouet d'occupation. Dès qu'il est couché dans son panier, félicitez-le et récompensez-le pour qu'il l'associe à quelque chose de positif et non à une punition. Petit tips, donnez-lui une friandise entre ses pattes pour l'aider à garder sa position. Réitérez l'exercice lors de petites séances courtes jusqu'à ce que l'ordre soit assimilé et petit à petit, augmentez la distance entre vous et le panier. Vous pouvez également lui apprendre l'ordre « tu laisses » ou « pas toucher ». Vous pouvez l'utiliser lorsqu'il va quémander chez un de vos invités ou lorsque votre enfant se promènera avec un morceau de pomme à la main ou tout simplement si vous faites tomber un bout de carotte au moment de préparer le souper. Point 2 de notre liste, que notre chien ne monte pas ou plus sur le lit ou le canapé. Je vous invite à aller revoir la vidéo ou placer le panier de notre chien dans notre maison où vous pourrez retrouver quelques conseils pour que votre chien apprécie son panier et le trouve bien plus confortable et plus chouette que le canapé ou le lit. Comme je le dis souvent, anticiper, c'est la clé. N'attendez pas que votre chien soit dans le canapé pour vous fâcher. Anticipez. Au moment où vous le voyez rôder autour du canapé ou commencer à poser sa truffe dessus, dites-lui non. Et comme je le dis également très souvent, c'est important de lui dire ce qu'il ne peut pas faire, mais d'autant plus ce qu'il peut faire. Accompagnez-le dans son panier et récompensez-le. Donnez-lui de quoi s'occuper pour éviter qu'il ne s'ennuie et vienne vous réclamer de l'attention parce qu'il a pris l'habitude d'être caressé dans le canapé. Point 3 de notre liste, qu'il apprenne à donner son jouet sans grogner. Apprendre l'ordre « lâche » ou « donne » est essentiel dans l'éducation d'un chien. Malheureusement, si ça n'a pas été fait de la bonne manière, votre chien peut vite développer certains comportements agressifs et donc dangereux en famille, juste par protection de ressources. Néanmoins, rien de plus simple. Apprenez-lui à échanger de manière ludique. Apprenez-lui que lâcher ce qu'il a dans sa gueule sera toujours gagnant pour lui. Jouez avec lui avec un jouet lambda, un bâton, une balle, peu importe, et présentez-lui son jouet préféré, ou un jouet bien plus amusant, ou encore une friandise super appétante. Pour pouvoir attraper l'objet de son désir, il sera obligé de lâcher ce avec quoi il est occupé de jouer. Jouez à nouveau avec lui pour le récompenser et recommencer l'opération. Petit à petit, lorsque l'ordre devient acquis, variez les exercices. Par exemple, demandez-lui de lâcher son jouet, puis autorisez-le à le reprendre, pour qu'il apprenne qu'il ne va pas forcément perdre ce avec quoi il joue. Et dernier point de notre liste de bonnes résolutions, que notre chien arrête d'aboyer à tout bout de champ. Tout d'abord, dans la plupart des cas, les aboyeurs fous manquent généralement d'exercices physiques et mentaux. Ils ont trop d'énergie et doivent apprendre à se canaliser et à gérer leurs émotions. Un chien bien dans ses pattes aura moins tendance à aboyer pour un oui ou pour un non. Pour ce faire, je vous invite à bien regarder et appliquer tous les conseils de la vidéo « Comment rendre son chien heureux ». Travaillez en le redirigeant positivement, en détournant son attention, en lui proposant des occupations. Si votre chien aboie sur les passants dans la rue, utilisez par exemple un jouet que votre chien peut tirer et ne lâchez que lorsque la personne est passée. Si votre chien aboie à tue-tête lorsqu'il est seul à la maison, il peut souffrir d'anxiété de séparation. Pour éviter ce problème, apprenez-lui progressivement à gérer sa solitude et donnez-lui de quoi s'occuper un maximum. Une autre astuce est de lui apprendre à aboyer sur commande. De cette manière, aboyer devient un ordre et plus une réaction. C'est tout.
Et comme tout ordre, nous pouvons lui apprendre à arrêter. Apprenez-lui le commandement, c'est tout, et récompensez-le. Si vous voulez apprendre encore plus de conseils et astuces tout au long de cette année 2022, abonnez-vous. Maïka, tu dis au revoir? C'est tout. Qu'est-ce que t'es belle? C'est qui l'amour de ta maman? Oh, c'est toi! Tu m'as mis de la baffe pour la vidéo.